quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres signales, les mères, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur, quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle, mon cœur. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste, l'émission Aracaille, nous sommes le 12 décembre 2017, fait frisquette sur Paris, mais des belles éclaircies, on a pu voir en sortant du métro. Aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous le groupe Cobra, évidemment dans la partie artistique, un groupe mythique qui a en quelque sorte... révolutionner, c'est peut-être un peu extraordinaire comme mot pour ce qu'ils ont fait, mais enfin quand même, qui a fait bouger un petit peu les lignes dans le plan-plan de l'art d'après-guerre. Voilà. Et qui, toujours, continue à influencer beaucoup d'artistes contemporains. Je parle pas des artistes du mouvement qui se revendiquent de du contemporain, ces oseaux là, mais des artistes qui travaillent aujourd'hui qui font un boulot intéressant. Voilà. Vous venez d'écouter Le Temps des Cerises du groupe aussi mythique de Noir au Désir, et nous allons essayer au cours de cette émission de porter un regard en marge sur l'art, pas fastoche, mais enfin Cobra en tout cas, ça peut nous aider, et une dénonciation des sales coups de la politique politicienne en toc. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. Et là, tout de suite, on va diffuser We Shall Overcome, une chanson là, qui est interprétée par John Baez, qui est à l'origine un negro spiritual. Et donc je traduis quelques paroles. Nous vaincrons un jour au fond de mon cœur, et nous marcherons main dans la main au plus profond de mon cœur, et nous abattrons les murs de la prison, nous abattrons les murs de la prison, ensemble nous abattrons les murs de la prison. Au fond de mon cœur, je crois que nous abattrons tous les murs de la prison. La vérité nous libérera, la vérité nous libérera ce jour-là. Et au fond de mon cœur, je crois que la vérité nous rendra tous libres et que nous vaincrons ce jour-là. Mmh.
Voilà, c'était donc John Baez qui interprétait We Shall Overcome. Que je dédie personnellement, toute seule et moi-même, si vous voulez, aux Palestiniens. Voilà, parce que bon, on vous passe souvent des chansons palestiniennes en palestinien, révolutionnaires, mais voilà, c'est pas nécessaire non plus d'être toujours dans une sorte de violence. Je trouve qu'avec John Baez qui interprète cette chanson, qui est interprétée aussi par. Bruce Springsteen. Voilà, c'est ça. Et par Ashkal et Saltimbanque aussi. Et puis par une autre aussi. Et puis par Pink Floyd. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils veulent pas négocier. Non, mais vous rendez compte, c'est qui ne veut pas négocier? Et négocier quoi? Ben, les Palestiniens, qui voulez-vous que ce soit? Les Palestiniens qui ne veulent pas causer de paix avec les représentants de l'État colonial israélien. Non, mais vous y croyez, vous, à cette histoire de con? Surtout quand c'est le gugus et criminel de guerre Netanyahou qui le brame. Sur tous les tons, à tous les coins de rue de la politique mondiale. Au cours de sa rencontre avec notre président Perlin Pimpin de ce dimanche 10 décembre. Et pourtant, c'est comme je vous le rapporte. Alors voyons, de quoi il retourne vraiment? D'un côté de la table, ceux qui oppriment depuis 1948. Le peuple palestinien avec son cortège d'exilés, forcés, interdits de retour au pays. Ils sont des millions dans les camps de réfugiés des pays alentours. En Israël même, il y a des camps aussi. La colonisation à outrance des territoires occupés depuis 1967. Et là encore, des expulsions massives de leurs terres, villages, maisons, de leurs occupants légitimes. Les meurtres, les bombardements, le mur de la honte. Que celui de Berlin, c'était de la roupie de Sansonnet à côté. Une vieille expression française. Les contrôles incessants de jour et de nuit et les perquisitions violentes qui traumatisent à vie les enfants qui les subissent. Voir une psychiatre palestinienne qui en parle très bien dans ce film qu'on a vu au Méliès. Là. Derrière les fronts. Derrière les fronts, voilà. Tout un peuple est soumis à une entreprise de démolition, de déshumanisation, comme jamais dans l'histoire dont pourtant notre monde est coutumier et friand. Et qu'on rapproche inévitablement de l'exercice du pouvoir par l'entreprise nazie dans le premier tiers du XXe siècle. Comme par exemple ces maisons palestiniennes visées par une expropriation prochaine et que les heureux bénéficiaires de cette expropriation maquillent d'une croix de David pour en signaler la destination. Les nazis, souvenez-vous, procédaient de la même manière sur les maisons juives dont ils expulsaient les habitants qu'ils relogeaient après, dans des camps de la mort tels Gaza aujourd'hui avec son plus de millions d'habitants, son plus que millions d'habitants, enfermés à vie sans aucun contact possible avec l'extérieur. Et ce sont ces foutus occupés, spoliés, maltraités de toutes les manières possibles, et il y en a une infinité, qui osent refuser de parler de paix avec leur agresseur. Non mais c'est quand même quelque chose. Scandaleux, c'est miséreux, alors que l'État colonial israélien leur tend la main, plus qu'une main vraiment miséricordieuse. Quelle arrogance de bouseux, ces fêles-là. Mais enfin quoi, d'accord, ces fameux accords au hasard d'Oslo, par exemple, qui ne les a pas respectés. Qui ne les a pas respectés avec un énorme point d'interrogation. Et toutes les lois et résolutions internationales que l'ONU promulgue en vain, depuis, belle burette que j'ajouterai, que les colonisateurs israéliens piétinent allègrement. C'est la faute aux colonisés palestiniens. Gros point d'interrogation encore, et on se pose évidemment la question. On n'est pas sûr que la bonne réponse soit celle clamée à tous les vents mauvais par les colonisateurs israéliens et le Premier ministre Netanyahou qui soit la bonne. Et vous, qu'en pensez-vous? Votre ressenti nous intéresse, auditrices, auditeurs de cette radio libertaire et de notre petite émission à Raclette. Petit codicille en fin de papier. Comment le président Perlin Pimpin peut-il être aussi ignorant des turpitudes passées et présentes des colonialistes israéliens pour croire qu'ils vont modifier leur approche des accords de paix pouvant conduire à deux États avec comme capitale Jérusalem? Depuis 1948, tous les gouvernements colonialistes israéliens n'ont eu de cesse de torpiller toute possibilité de dialogue sur cette question, ce sujet en quelque sorte. Sauf un. Isaac Rabin, et curieusement et tragiquement aussi, il a été assassiné par un extrémiste juif.
incité, comme tous ses congénères, à le supprimer, avec la bénédiction de qui, je vous le demande, eh ben, Benjamin Netanyahou, qui, dans des discours suggestifs, en appelait à supprimer ce gêneur. Et ça, c'est pas une invention de propagande, c'est la vérité. Voilà. Alors, j'ai écouté plus que lu, puisqu'il n'y a pratiquement aucun papier sur cette rencontre du criminel de guerre Netanyahou avec le naïf de l'Élysée. Mais j'ai cru comprendre que, bon, le naïf de l'Élysée avait dit à Netanyahou, attention, hein, il l'a admonesté, évidemment, comme un instituteur admoneste le cancre du fond de la classe. Il faut arrêter un peu, il faut reconnaître que Jérusalem peut être la capitale de deux États, deux entités, palestinienne et israélienne. Hein, voilà. Et puis qu'il faut cesser la colonisation. Et puis qu'il faut, s'asseoir à la table des négociations. Mais voilà. Mais est-ce qu'il connaît bien son histoire de la Palestine depuis 1948 et même avant? J'ai l'impression que non. Et ma camarade Piggy Couquier est plus fufute que moi, elle va vous donner sa petite version des faits. Non, il n'y a pas de version à donner, simplement on ne croit pas du tout à la naïveté d'un président de la République ou d'un homme politique quoi, qui tire des ficelles dont certaines nous échappent encore pour l'instant. Et moi je voulais rajouter que je reçois tous les matins dans ma petite boîte aux lettres mail là, la newsletter du journal Le Monde et c'est incroyable, c'est-à-dire que depuis que Trump a fait sa déclaration incendiaire justement, il y a eu quand même énormément de manifestations ce week-end dans le monde entier, des drapeaux israéliens, des drapeaux américains qui ont été brûlés. Il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de que ce soit au Liban, que ce soit au Moyen-Orient, enfin, il y a vraiment eu beaucoup de manifestations. Et en fait, Le Monde n'en a pas du tout fait mention, quoi. Rien sur ce qui s'est passé à travers le monde, suite à sa déclaration. Et ni sur ce rassemblement qu'il y a eu samedi après-midi, place de la République, avec BDS, avec l'UJFP, je rappelle BDS, c'est cette organisation palestinienne qui demande le boycott des produits venant des territoires occupés. Et puis l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, et d'autres, évidemment, d'autres organisations pour la, qui en soutien à la Palestine. Pas un mot nulle part, ouais. Voilà. Nulle part. Puis notre envoyé spécial de Radio Libertaire d'Araka n'a pas pu s'y rendre. Les transports se sont ligués contre lui. Donc ça, c'est une histoire de fou. Hein. Figurez-vous. Que dans mon petit bled pourri, là, le bus, il fallait attendre 20 minutes. Bon, je dis, je vais descendre à pied au RER, il y en a pour 6-7 minutes. J'arrive au RER de mon petite ville pourrie. Hors coup de pont, j'ai un RER tout de suite, direction Nation. Sauf que manque de peau, il s'arrête à Fontenay, petite ville à côté. Donc, je dis, je vais essayer de prendre le bus à Fontenay et une station au RER. Je fonce à cette station qui n'est pas toute près, mais enfin, bref. Là, je vois une jeune fille qui, avec son immense téléphone portable, consultait devant la station. Je lui dis, excusez-moi, mademoiselle, est-ce qu'il y a bien un bus aujourd'hui? Elle dit, oui, dans une heure. Bon, alors je file à quelques centaines, 500 mètres de là, à ce qu'on appelle la Porte Jaune, pour prendre un bus, s'il y avait un bus qui arrivait pour Vincennes, pas de bus. Donc, à bout de force, je traverse la rue pour reprendre un bus vers mon petit bled. Et que vois-je arriver dans mon petit bled? Deux bus qui se suivent qu'à la Vincennes. Voilà. Résultat, je n'ai pas pu aller à la manif. Voilà, donc on n'a pas pu avoir en direct en fait, ce qui s'est passé place de la République samedi. Et moi, je voulais aussi rajouter, suite à ton billet, que ce soir, donc ce soir le 12 décembre, c'est à 17h, c'est intéressant, c'est à l'Institut des études politiques de Paris, hein, c'est à Sciences Po. Il y a des étudiants en fait qui manifestent justement, qui prennent position contre la remise d'un prix. Un diplôme honorifique qui est remis à une chercheuse israélienne. Et en fait, il s'oppose à la remise de ce prix en soutien au peuple palestinien, en disant que voilà, il faut, on ne peut pas être complice de cette politique. Donc, il faut aller ce soir donc, à l'Institut Sciences Po. Hein, c'est 27 rue Saint-Guillaume, c'est à Saint-Germain-des-Prés, voir ce groupe d'étudiants de sciences politiques. C'est quand même intéressant qu'à Sciences Po, ça bouge un peu dans les rangs et de ce sens-là. Quoi. Peut-être qu'on aura une nouvelle génération de politiques qui prendra plus en considération ou qui fera plus attention à ce qui se passe là-bas. Hein. Plus attention, en tout cas, que notre président de la République. Voilà. Alors moi, par ces temps de pluie, de vent, de neige, de verglas, je vais parler un petit peu des SDF, avec déjà une citation. « La richesse est la mère de la pauvreté, ou plutôt, elle en est la marâtre. »
Voilà, c'est Soyons humains. Soyons humains, alors c'est le nom de la nouvelle campagne qui a été lancée mercredi dernier hein, par la Fondation Abbé Pierre et par Emmaüs Solidarité pour dénoncer cet ensemble de mobilier urbain qu'on a placé dans plusieurs villes de France. En fait, un mobilier urbain qui est anti-SDF, hein, ce qu'on peut voir régulièrement quand on se promène, c'est-à-dire qu'on voit ce sont des picots qui sont mis devant des bâtiments, des poteaux, ou alors des plans inclinés, et même une douche automatique. Voilà. Et tous ces dispositifs, forcément, empêche les sans-abri et les grands précaires de s'asseoir ou de s'allonger dans l'espace urbain. On peut voir aussi dans le métro, maintenant, il n'y a pratiquement plus une station de métro dans laquelle on puisse s'asseoir ou s'allonger. On est obligé d'être sur un plan incliné pour attendre le métro. Donc il y a un site internet qui a été lancé pour l'occasion, qui invite donc les internautes à dénoncer cette situation pour qu'ils envoient leurs propres photos dans les villes où ils se promènent. Et depuis le lancement de cette opération, il y a déjà une centaine de photos qui ont été partagées entre Paris, Lyon, Marseille et Montpellier. Selon les chiffres indiqués par la Fondation, le nombre de personnes SDF a augmenté de 50% entre 2001 et 2012. Et quand même plus de 2000 personnes meurent dans les rues chaque année en France. Donc à Paris, il y a une installation qui fait polémique, la douche anti-SDF. Voilà. Mogi, un sans-abri de 50 ans, passe ses nuits à côté. Donc il se lève et il désigne l'entrée d'un parking souterrain en disant « voilà, c'est là ». Et quelques minutes plus tard, le dispositif se déclenche au passage d'un technicien en intervention dans le quartier. « Mais c'est quoi ce truc ?» lance-t-il. Le bas de son pantalon est trempé par des jets qui tombent du plafond et qui éclaboussent le trottoir. Donc ce système qui est installé en plein cœur de la capitale, hein, c'est près de la rue Rivoli, et dans le viseur donc, de la Fondation Abbé Pierre, et qui organise donc ce mercredi matin une opération coup de poing donc à Paris, Lyon, Metz et Marseille pour dénoncer cette multiplication donc des dispositifs qui chassent les marginaux. Donc le slogan, c'est « Au lieu d'empêcher les SDF de dormir ici, offrons-leur un logement décent ailleurs ». Donc cette douche du premier arrondissement, elle est d'autant plus décriée qu'elle est implantée quand même dans un lieu symbolique. C'est en face de l'immeuble où ont été constitués ces premiers groupes Emmaüs après ce fameux message, ce célèbre message de l'abbé Pierre de l'hiver 54. Donc Mogi donc dort dans la rue depuis une dizaine d'années quand il n'est pas au point d'accueil de l'immeuble Emmaüs où passent effectivement quelques 300 sans-abri chaque jour. Il traîne près de la douche anti-SDF avec ses compagnons d'infortune. Et il faut dire que les riverains ne sont pas tendres avec toute cette petite bande. Donc ce système, qui est un système qui a été bricolé en interne par les employés de la société Pénate, qui est propriétaire du parking, donc est équipé d'un détecteur de présence qui déclenche une coulée d'eau froide. Donc seuls les automobilistes qui sont munis du badge du parking d'accès peuvent éviter l'eau. Nous avons fait preuve de beaucoup de tolérance, mais ce n'était plus possible. Ces gestes, c'est ce que nous avons trouvé de plus efficace, voilà, explique le responsable des services généraux de Pénate. Je comprends que cela puisse choquer. En même temps, mouiller quelqu'un, ce n'est pas bien méchant. Non, quand il fait 0 degré dehors, ce n'est pas méchant du tout d'avoir quelqu'un qui reste trempé, qui ne peut pas aller faire sécher ses vêtements. Voilà, donc d'autres dispositifs ont déjà fait scandale. Par exemple, le maire d'Argenteuil avait dû renoncer, lui, en 2007, à un spray répulsif qui était destiné à éloigner les SDF. En 2014, à Angoulême, on avait grillagé des bancs pour empêcher donc les marginaux de pouvoir s'allonger. Alors on peut rappeler, quand on rappelle tout ça, il faut aussi rappeler que effectivement, on peut pas laisser les gens dormir dans la rue, mais que des logements, il y en a, qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de réquisition, hein, parce que c'est une possibilité de réquisition de logements vacants qui était prévue dans une ordonnance qui date du 11 octobre 1945, qui avait été promulguée justement pour lutter contre la crise du logement de l'après-guerre, qu'ensuite cette loi a été complétée par une loi de juillet 1998, et que c'est-à-dire que les logements et les locaux réquisitionnés doivent appartenir à une personne morale et être inoccupés depuis plus de 18 mois. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas aux personnes, on ne prend pas le bien des personnes privées. Donc l'État doit verser un loyer qui est équivalent à celui d'un logement social au propriétaire bailleur, et que la réquisition de logements vacants a été abondamment employée jusque dans les années 60. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 100 000 arrêtés de réquisition qui ont été pris, selon les estimations du DAL, et que la dernière grande vague de réquisition date de 95-96, à part l'occupation emblématique d'un immeuble rue du Dragon. On s'en souvient, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Et le gouvernement, là, avait réquisitionné environ 1000 logements dans la capitale qui appartenaient à des banques et des compagnies d'assurance. En 2001, 150 logements sont réquisitionnés à Paris et en Ile-de-France.
Et le DAL, quand il chiffre, en citant les chiffres de l'INSEE, évalue à 2,39 millions le nombre de logements et de locaux vacants dans l'Hexagone en 2011. Ouais. Voilà, donc c'est énorme. Et il n'y a pas 2 900 000 SDF. Enfin, s'il y a des gens qui sont dans la précarité, mais pas 2 900 000. Hein. Voilà, bon oui, bon. Là, on se préoccupe plus de tout le... de tous les falbalas avec cette histoire de panda pourri, là, avec Madame la Présidente qui est ceci, qui cela, on fait des photos, la mort de Johnny Hallyday, avec toutes les, son cortège de, d'imbécilité. Voilà, ça fonctionne. Hein, là. Madame la Présidente est au chevet de la famille, hein, mais elle n'est pas au chevet de la famille des SDF. Hein. Bon, allez, on a l'habitude de tout ça, bon, ça fait toujours autant gerber. Hein. Est vraiment chouette, un petit bout de paradis, boulevard périphérique est, c'est bruyant mais c'est cosy, c'est mon refuge dans la tempête de ce qui est devenu ma vie. En bas ça roule, c'est la fête, le matin, le jour et la nuit, parfois juste en bas de chez moi, j'ai droit à un son et lumière. Sirène, gyrophare, et voilà, tout fini sur une civière. Les gens sont vraiment très gentils, on le voit surtout à Noël. Il y en a même qui m'ont dit que mes guirlandes, elles étaient belles. L'hiver, je l'avoue, c'est moins gai, la grisaille, le froid, les seaux d'eau. Mais quand le soleil reparaît, dehors, on s'offre l'apéro. Moi, ma maison est vraiment chouette, un petit bout de paradis. C'est bruyant mais c'est cosy. Je vois que j'ai fait des émules un peu tout autour de Paris. Les petites tentes pullulent, plus on met de fous, plus on rit. Mais il y a encore de la place de chaque côté du périph, de quoi se faire des palaces, plastique, carton et adhésif. Heureusement que je ne vis pas dans un pays sous-développé. La vie en France c'est extra, égalité, fraternité. Faudrait juste faire un effort pour trouver un loger d'aider. Son boulot ça paye pas très fort et j'en ai marre de l'héberger. Moi ma maison est vraiment chouette, un petit bout de paradis. Boulevard périphérique est, c'est bruyant mais c'est cosy. J'aurais pu aussi vous parler des enjouures, du vomi et du pif, des chiottes, des coups, des tarés qu'ils ont la nuit sur le périph. Si j'avais raconté tout ça, fait de ma vie ce descriptif, vous auriez trouvé ça moins sympa, surtout à l'heure de l'apéritif. Vous auriez trouvé ça moins sympa, surtout à l'heure de l'apéritif. Moi, ma maison est vraiment chouette, un petit bout de paradis. Un petit bout de paradis. Voilà, c'est le groupe L'Arabia, moi.